Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre, l'après-midi solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées, et puis pour voir essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour faire mon éducation, y a la communale en béton. Là on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet et du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans finit la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande d'ivoyous de la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de Rebruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr la maison Poulaga, Agrippa mon premier faux pas. Ça tombe bien mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, au reste Camille et Mikidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tôle, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander,
Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert en bref d'être né?